comme là, je n'ai pas enregistré mon son, donc je vais recommencer mon intro. Yo les gens, c'est DragSurvie, aujourd'hui on se retrouve pour une nouvelle vidéo. N'hésitez pas à vous abonner, à partager et à mettre la cloche. Aujourd'hui on se retrouve sur Monster Hunter Iceborne pour une suite de notre petite aventure. Donc on avait commencé pour le film Iceborne, donc pour le film avec le Diable au Noir. Cette fois-ci, on part sur Iceborne pour la suite, pour le Rathalos géant. Donc n'hésitez pas à vous abonner, à partager et à mettre la cloche. C'est parti. Donc, j'espère que vous allez bien. Normalement, il devait y avoir du The Crew, sauf que bah, y a eu un bug son. Il y a eu un bug son, en fait, à la place de m'entendre parler, vous entendez... Alors ça fait un peu bizarre aux oreilles. Et puis les images ne sont pas régularisées. Il y a une image toutes les 5-10 minutes, je sais pas, OBS avait bugué. Je sais qu'OBS était en mise à jour il y a 2-3 jours, donc... Je sais pas si c'est à cause de ça ou quoi, aujourd'hui ça a l'air d'aller, donc j'espère que cette vidéo vous plaira. Et puis c'est parti quoi. Donc recherche en cours. Donc bon, je l'avais déjà fait une fois. Là on va le refaire une fois aussi ensemble. Je vous avais dit que je voulais pas le faire, mais je vais le faire quand même. Parce que bon, vu qu'il y a eu bug de The Crew, j'ai pas vraiment le choix. Et puis ça me fait plaisir. Et puis c'est vrai que ça faisait un moment que j'étais parvenu sur Monster Hunter. Donc voilà, alors apparemment faudrait pas que ça bug. À part si les sessions sont pleines. Ah voilà. Donc j'espère que vous passez une bonne semaine. Demain live de 21h30. À minuit, voire peut-être 23h parce que faut que je vienne me coucher plus tôt. Vous aurez une vidéo aussi demain à 16h. Comme ça, aujourd'hui et demain, vidéo 16h. Aujourd'hui, moi je tourne cette vidéo. Je la tourne le même jour parce que vu qu'hier il n'a pas voulu tourner, donc je la tourne le même jour. Je tournerai pour normalement demain vous aurez du Fortnite. Je vais tenter les défis de TikTok. Comme on le voit souvent, je ferai bien sûr des parties où je me mettrai en milieu et je vais essayer de faire taper dans les mains, danser avec d'autres joueurs pour voir s'il y en a qui réagissent ou pas. Alors le seul défi qui va être un peu plus compliqué, je vous en reparlerai en début de vidéo pour demain, ça sera, c'est que le truc, la plupart ce sont des bots pour les Xbox, la plupart en ce moment surtout des bots. Nous, moi je tombe souvent sur des bots, donc faudra que je voie si je peux le faire ou pas. Donc avant de tourner la vidéo, je regarderai si ça marche bien ou pas. Donc voilà, donc vous êtes au courant. Donc nouvelle quête. Non, c'est rang maxi, événement. Et là, nous allons dans Bienvenue dans le Nouveau Monde. Donc là, ce sont avec pour le grand Rathalos. Ouais, c'est bien là. Termite, forêt ancienne. Ouais, c'est ça. Donc c'est parti. Donc on va utiliser un coupon. C'est vrai que je pourrais les utiliser. Mince. Oui, voilà. Voilà, comme ça, ça nous fait un coupon d'utiliser. C'est vrai que chaque jour, il y a un coupon qui machine, donc bon. Donc voilà, donc on va attendre un peu la... Re les gens, donc pour plus d'immersion, je vous ai enlevé ma caméra. Comme ça, vous aurez juste le jeu. On se retrouve bien sûr à la fin de la vidéo. Bien sûr, je parlerai pendant la vidéo. Mais tant que... je n'ai pas battu le grand Rathalos, je ne mettrai pas ma caméra. Donc le grand Rathalos, comme vous allez le voir, il est un peu en taille supérieure que certaines... pour certains...
connaissent, donc c'est assez assez géant, on va dire. Wait. That thing was the Rathalos from before, but we killed it. Why can't you understand me? Nara too. This is going nowhere. I've been taking notes. Let's see. Kita? Neki? Toh. Gida Ningozo. Gane. Skill of Ibete. True TRE. Nada. I'm part of the Fifth Fleet. If he can't understand me, that means. Bon, pour comprendre ce qui se passe, je pense qu'il faudra attendre le film, parce que bah, c'est un peu compliqué à comprendre un peu là. Wait, this is not okay. Damn. Ah, j'ai pas pensé qu'il me fallait me prendre. Alors, attendez, on va remonter. Hop, alors attendez, hop, voilà. Arrange-moi ça. Arrange-moi ça. On va prendre les barils. Coffre. Ah, ça c'est le coffre à équipement, mais on va jouer. On va jouer comme ça, avec sa petite lame. Parce que je l'avais déjà fait avec la grosse, une grande lame comme j'ai l'habitude de faire. Mais c'est pas, pas le faire. On va éviter. Alors je sais où il est, hein, bien sûr. What? Pourquoi les lucioles s'excitent là? That was the Rathalos we already took down. And the Admiral doesn't remember me. Alors comme vous le voyez sur le côté, en côté à droite, elle parle toute seule, bien sûr. Et on comprend un peu qu'il la comprend plus, tout ça, et qu'ils étaient amis, donc bon. Je sais pas du tout ce qu'il pourrait. Parce que bon, on a sur le suite du jeu, clairement, on rencontre beaucoup de choses, quoi que ce soit. Mais c'est vrai que, bon ça va, celui-là ne s'envole pas, hein, il n'est pas non plus, il est pas non plus, le seul souci, c'est qu'en fait, vu qu'il est géant, on ne peut pas, on ne peut pas le toucher à la tête. Voilà, donc comme vous le voyez, faut vraiment viser. On fait vraiment pas beaucoup de dégâts hein, à côté d'un. Alors vous pouvez pas lui couper la queue, hein, c'est un peu dommage. Aïe.
Zora Talos en poison. Ah la pêche, je suis coincé. Le problème avec celui-là, c'est que vu qu'il est super grand, on peut pas vraiment gérer ses mouvements en fait. Putain. Mais je vais pas y arriver. Hein. S'il me rentre dedans, je suis mal. Tu passes plus ta vie à boire de la potion. Qu'à combattre quelque chose. Alors, attendez, on va le calmer un peu. Comme ça, j'ai le temps de poser le baril. C'est un peu dommage, c'est vu que... Don't think I'm going down so easily. Ah, par contre, ça c'est dommage. L'arbre qui est pas pris en compte, c'est un peu con. Allez, viens là. Oh bah oui. Ah, je suis dans l'eau normalement. Mais c'est ça le problème, c'est qu'on n'a même pas le temps de se lever en fait. On n'a même pas le temps de se lever avec celui-là parce qu'il est tellement géant que déjà tu passes plus de temps à t'enfuir, ouais, c'est le cas de le dire. Et il n'y a pas de rythme comme dans certains Ratalos où tu passerais plus de temps à essayer de lui mettre des coups dans la queue pour qu'il perde l'équilibre ou voilà pour qu'il arrive à tomber ou quoi que ce soit. Et c'est vrai que celui-là, ben à part lui taper dans les pattes, voilà, c'est Thank you.
s'approcher. Je vole. Oh, mais... Je peux plus utiliser mon papin. Parce que je me trompais de touche. Allez, lève-toi, lève-toi. Putain, mais je suis mort pareil, une fois dans les premiers... Ah, j'ai repéré une capsule de brouille. Ah là là. Jamais il avait plus de vie tout à l'heure, mais il a récupéré. Bon. Genre, j'esquive. Mes potions, je passe plus de temps à chercher tes potions. Putain, qu'un jour pour se lever, quoi. Putain, quand t'as un monstre... Putain, dans la vraie vie, t'as un monstre auprès de ton cul, je sais pas, tu tapes un spring. Non ?
getting sick of your face. Que je suis empoisonné. Je devrais pas être empoisonné, j'étais sur lui. Allez! Il y a quand même plus de difficultés quand même, hein. Double lame. J'ai l'habitude de ma grosse lame. Mais non, mais t'es sérieux? Mais non, mais t'es. Oh! Déjà quand tu serais dans la vraie vie, je pense que tu t'arrêterais. Putain, mais tu bois une potion pour te guérir, tu... elle s'arrête pour boire cette couillonne. Putain, c'est ce que j'ai jamais compris dans ce jeu. Pourquoi faire arrêter un personnage? Genre. Alors j'espère que dans le film il sera là quand même le grand Ratalo, parce que clairement si ils te font un truc, un coming back sur un jeu et puis qu'en fait le grand Ratalo s'il est même pas, qu'il soit beaucoup plus petit, clairement dégoûté, parce que clairement moi qui aime bien Monster Hunter, si vraiment il sortent un film, parce que bon apparemment ça a l'air prévu. Mais non, mais t'es sérieux, je suis dans les airs, je suis coincé, faut arrêter. Underestimate a ranger. Ah, d'accord. Il fait des attaques chargées maintenant. Non, t'as pas le droit. Non, t'as pas le droit. Triche pas. Non, triche pas. Et je vais crever.
Putain, mais quel casse-couille celui-là! Sans déconner! Bon, déjà, ce qui est le plus difficile, c'est qu'elle a deux lames. J'ai déjà beaucoup moins de dégâts qu'avec une grosse lame. Moi, j'ai déjà plus l'habitude avec une grande lame rétractile, tout ça, machin. Putain, mais c'était juste me mettre un coup de caillou, je serais pas mort, quoi. Gotta go. Take it. Better study up for next time. The next time I see you, you've never seen me. Huh. Paradox is the last thing we need right now. Okay. Kyo! And be nicer next time. Gakuga et un Glavenus. Et re les gens, bon, cette fois-ci ça y est, c'est terminé, donc on a fait les deux parties, donc les deux parties du film, donc de Monster Hunter, le film. Je sais pas du tout ce que ça va donner, j'espère juste que ça sera intéressant. J'espère juste que ça sera intéressant, parce que clairement je passe du temps sur ce jeu. Et c'est vrai que s'ils ont fait un film, et puis que, c'est vrai que avec le Diablo Noir et le Rathalos géant, c'est vrai qu'on a la hype de se dire, punaise, s'il y a vraiment un Rathalos dans le film aussi géant que ça. C'est vrai que non, dans le jeu on en a des basiques, on en a des grands, des costauds, des plus costauds, des machins, des moins robustes, des plus robustes. C'est vrai qu'ils sont déjà pas mal, mais c'est vrai que là il est super géant, il fait sacrément mal. Pour l'esquiver, clairement,
voilà, il faut gérer l'esquive. Bon, c'est vrai qu'après le jeu, pour se relever, tu mets 2 minutes, t'as le temps de prendre 2 claques et puis crever. Mais c'est vrai que ça donne la hype. Et j'espère que le film sortira assez rapidement, parce que je crois bien que c'est, je sais pas s'il est marqué. Alors attendez, on va quitter le jeu. On va faire quitter. Non, c'est pas ça. Quitter. De toute façon, ça sauvegarde automatiquement. Donc, oui. Donc j'espère que cette petite vidéo vous aura plu. N'hésitez pas à vous abonner, à partager et à mettre la cloche. À laisser un commentaire, ça fait toujours plaisir. Je remercie encore toutes les personnes qui sont abonnées. Moi, je me suis clairement éclaté à faire cette deuxième partie avec vous. Donc, on va regarder ça. Hasbroun. Alors, donc, Quête Artemis, le film Monster Hunter, maintenant disponible. Donc, voyons voir. Compléter deux quêtes événements du bonus spécial contenu pour Hasbroun. Après avoir joué, n'oubliez pas d'aller voir le film. Incarner Artemis du film Monster Hunter. Alors le truc c'est que, d'accord, mais j'ai regardé sur internet, je le trouve pas. Apparemment il serait sorti qu'en Amérique. J'ai pas vu si en France il était sorti, donc dites moi en commentaire s'il est déjà sorti en France, mais pour moi j'ai rien vu pour le moment. Donc ouais, plutôt hypé, j'espère juste qu'il sera bien. Alors je vais quand même refaire un tour moi de mon côté pour voir si s'il est déjà sorti, s'il est sur Insta, sur Netflix ou sur des autres logiciels pour regarder même en replay pour voir vite fait des brefs parties. Mais voilà. Donc j'espère que cette partie vous aura plu. N'hésitez pas à vous abonner, à partager et à mettre la cloche, à laisser un commentaire.